L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromédé, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Infoline. ESAE Gbedjromédé, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa. Au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi. Au plus 229 52 88 44 44 Parakou. Au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonjour. Pour l'expression du jour, nous allons à la découverte de mettre la puce à l'oreille. Mettre la puce à l'oreille est une locution verbale. Cette expression signifie faire suspecter quelque chose, intriguer en particulier. Mettre la puce à l'oreille veut dire inquiéter, soupçonner un danger, rendre méfiant ou même informé. Il faut préciser que le sens de cette expression a évolué au cours des siècles, de même que sa forme. Elle est apparue pour la première fois au XIIIe siècle sous la forme de « mettre la puce » en l'oreille. À l'époque, les parasites provoquaient d'importantes démangeaisons et n'épargnaient aucune classe sociale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la définition de ce jour.